c'est Wendy. Cette semaine, c'est l'annonce des 2600 suppressions de postes dans les collèges et lycées pour la rentrée prochaine qui nous préoccupe. Alors, le ministère Blanquet, qui fait toujours beaucoup de communication, n'a annoncé que 1800 suppressions. Mais en écoutant attentivement, le redéploiement d'emplois entre le premier et le second degré, ce sont bien 2600 postes qui vont être supprimés à la rentrée prochaine. Et le ministre sait parfaitement que les suppressions ne sont pas justifiées, puisqu'il s'est empressé d'ajouter qu'il y aura aussi plus d'heures supplémentaires. Monsieur Blanquet, dans la ligne politique de Nicolas Sarkozy, envisage de revoir le décret de 2014 pour imposer à tous les enseignants 2 heures supplémentaires obligatoires au lieu d'une. La réforme des lycées va donc être utilisée pour détruire des emplois. C'est une véritable déclaration de guerre à la jeunesse que mène ce gouvernement. Il dégrade la qualité de l'enseignement et en même temps, il coupe dans les effectifs de la jeunesse et des sports. Dans l'Académie de Guadeloupe, les suppressions de postes ont été incessantes depuis 10 ans. 12% des enseignants ont été supprimés depuis 2008 dans les collèges et les lycées. Alors que selon les évaluations ministérielles, notre académie apparaît à la 29e place sur 31. Il y a urgence à donner les moyens nécessaires à la réussite des élèves, de tous les élèves. Il faut créer au moins 400 postes de titulaires en Guadeloupe. Et pour cela, il n'y a qu'une solution, classer l'académie en éducation prioritaire.